depuis 2008, la coopérative a pris une orientation stratégique pour développer l'agriculture écologiquement intensive. Alors l'agriculture écologiquement intensive, c'est produire plus et mieux avec moins. Donc l'objectif, l'idée, c'est pour nous au sein de Terrena Innovation de trouver, de développer des innovations, des nouvelles technologies pour répondre à ces enjeux-là et proposer à nos adhérents des solutions pour développer la nouvelle agriculture. Nous avons rencontré la société Pilgrim Technologies en 2014 lors de journées mises en place par différents pôles, dont le pôle Végépolis en Bretagne, sur la thématique du machinisme agricole et des technologies de l'information et de la communication. Lors de cette journée, donc, nous avons rencontré Anne-Marie Haute, présidente de la société Pilgrim, avec qui nous avons eu des premiers échanges. Et nous avons continué notre mise en relation et nous les avons invités à présenter leurs outils, leurs nouvelles technologies sur le terrain, auprès de nos équipes terrain, justement, pour mettre en lien avec les usages de nos adhérents. Et de ça a découlé en fait une expression des besoins, alors plus orientée sur le maraîchage. Dès le départ, lors de notre première rencontre avec le Végépolis, on a pu participer à des rencontres B2B qui permettaient de mettre en lien les différents adhérents disponibles. Et ça a permis à une petite TPE comme la nôtre, où on est 6, de rencontrer le groupe Terrena. On a comparé nos problématiques, nos capacités, et ils venaient juste de racheter le Val Nantais. Et donc, ils avaient une problématique forte sur le blanchiment des serres, et nous, on savait qu'on avait des capacités de transport, de proximité qui pouvaient répondre à leurs besoins. Et donc on a décidé de monter un projet collaboratif sur lequel on a été extrêmement soutenus par le pôle puisqu'ils ont labellisé ce projet. Emeline Desfossés y a passé du temps pour nous accompagner sur le montage du dossier de financement puisque c'était une première pour nous. Et puis donc ce projet-là a été financé par la directe et nous allons débuter les essais dans quelques semaines. L'équipe Végépolis, dans tout le parcours de notre projet, en fait, nous a au départ servi d'instigateur. En fait, c'est eux qui ont semé la petite graine. Et ensuite, ils nous ont servi de tuteur puisqu'ils ont été présents avec nous tout au long du projet pour nous accompagner.